Nouvelle VOD, toujours les gargouilles. Tente de se venger quand même, parce que ça fait deux fois qu'elles m'abattent avec leur combo de mort à base de poison et de me faire chier. Pas de doc sur les gargouilles. Bon, finalement, peut-être un lock. Mais elle va m'abattre! J'aime pas le lock. Même si ça me fait prendre des dégâts bêtes. Pas dû. L'autre est en train de faire du poison. Non, 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 tu es pas censé m'attaquer en même temps. Que dalle. Ah! Non, 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 non. Mais le poison! Le squeeze s'étend! Il faut que j'enlève le poison, c'est mortel le poison. Voilà, c'est bon, enfin. Punaise. Je vais pas m'approcher de toi alors qu'il y a une flaque de poison de la taille d'un lac. Ça faisait mal. J'ai jamais dit que je savais jouer au jeu correctement. Ça faisait mal, ça faisait très mal. Tu m'as raté, à moitié. Est-ce que je me soigne pour rien? Mais complètement. Tu meurs, c'est bon. Allez, ouais. Et les armes des gargouilles, c'est parfait. Qu'il y ait d'objets à ramasser dans l'arène. Enfin, je peux pas utiliser le torrent ici pour courir. Torrent, torrent. Rivière. Il va s'appeler rivière un jour. Il n'y a pas d'objet caché, je crois pas. Eh bien, montons. Puisque oui, ce cercueil, ça permet de monter là-haut. Permet de monter dans le fond de racine. On est en plein dans toutes les zones optionnelles, c'est très bien.
Et ça recueille toujours un certain délire dans ces jeux-là. Tous les cercueils qui te changent de genre, les cercueils qui te téléportent, les cercueils mobiles. Oh, c'est fun. Et on est à fond de racine. Juste en dessous de la capitale. Par contre, visiblement, le cercueil, il a pris tarif. Hein. Il est cassé. Il est complètement cassé. Monter, c'est ça l'achève. Il est éclaté. Et nous, depuis la capitale, on était arrivé là au-dessus. De par là au-dessus, chercher tous les objets qu'il y avait. Bon, on voit rien, on voit pas les branches sur lesquelles j'étais, mais on est arrivé de là-haut. On s'est promené là-dessus. On avait vu d'au-dessus qu'il y avait un avatar qui se promenait. Voilà. Donc on va aller le taper. Je suis devenu un trash mob au-dessus de la capitale. C'est un arbre, je pense pas qu'il puisse saigner. Ah, j'avais plus d'endurance, autant pour moi. J'ai roulé trop tôt, foutu délai. Il va me tuer ce con. Ce con d'arbre. J'ai son arme. Je sais plus si on peut obtenir la version putréfiée, mais je crois pas qu'il y ait de version putréfiée. Ou alors on l'obtient Elfael sur le. Sur le la version putréfiée qui se promène dans Elfael. Ah, c'est les fourmis qui font beaucoup trop mal. Voilà. Exactement. En plus, elles sont deux. C'est un plan cul. Elles vont réussir à me pousser hors de la falaise. Faut réussir à aller sur le côté. Voilà. Mais, enfoiré de fourmi. Mais, et en plus seulement poison. Mais, elle est chiante. Prends-toi ça. Voilà, meurs. Bordel, tu étais relou. Perdu plus de la moitié de mes fioles. Enfin, la moitié en fait, précisément. Voilà, nous on est arrivé de là-haut. Je vais me reposer, hein, je tiens à avoir toutes mes fioles. L'avatar ne revient pas normalement.
Alors s'il revient, je suis pas au courant. Non, voilà, il revient pas. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un objet là déjà. Mais t'as le droit de l'exploration YouTube pour pas que la VOD fasse 2 minutes. Parlons de pierre de forge, faudrait que je voie à quel point je peux renforcer mon arme depuis le temps. On va d'abord aller là dans le trou. Avant d'aller plus bas. Parce que dans le trou, déjà ça mène à une incantation de souvenirs qui est là-bas. Qui l'attaque que la plus... chiante du boss de fin. Mais pourquoi tu l'as fait par contre, elle est pas aussi chiante. C'est dommage. T'allais vouloir me cracher à la gueule, je te connais la fourmi. Mais... je sais que vous allez me tomber dessus, les fourmis. D'abord qu'elle tombe. Comme ça, je les attire de cette manière-là. Elle me tombe pas tout en même temps sur la gueule. Tape avant. Voilà. Heureusement que j'ai mis beaucoup d'endurance. Viens là toi. Voilà, c'est ça. Viens, viens. C'est bien ce qui me semblait, elles sont pas toutes tombées. Vous m'entendez pas si je fais ça? Qu'il n'y en a plus au plafond. Il n'y a plus que elle là-bas. Voilà, fourmi, c'est fait. Voilà, étoile d'Elden. Qu'il y en avait une planquée au-dessus de ma tête aussi. Allez, il faut faire un saut, hein. Tu n'es pas à l'abri de la mort. Si tu te laisses tomber. On entend bien une fourmi. Est-ce qu'il y a une fourmi là en dessous qui se balade? Une fourmi au-dessus de ma gueule? Je sais pas, j'étais certain d'entendre un bruit de fourmi. Ah non, l'objet était là-bas.
pense pas que ça serve de descendre, il n'y a pas l'air d'avoir d'objet. J'ai pas l'air d'en avoir raté non plus. Donc ces fourmis vont rester en vie. Ah mais il y a bel et bien une fourmi buggée dans l'arbre. On l'a vu bouger. J'étais pas fou, je voyais bien quelque chose bouger. Fourmi qui est buggée. Bah tant mieux pour elle. Enfin tant mieux pour moi. Ça m'évite de devoir traiter avec une fourmi. Y a pas des trucs qui font de la foudre quelque part? Ou je confonds avec un autre endroit? On la voit, la fourmi buggée, on voit ses élytres qui bougent à travers le bois. Ah non, il n'y a bel et bien pas d'objet. Non plus, il n'y a rien. Plein de fourmis par contre, ça je m'en rappelais. De toute façon, on est chez les fourmis, là, visiblement. C'est un plan cul, ça se voit. Par chance, elle meurt. Ton ombre ne correspond pas à toi. Il n'y a pas de fourmis là au-dessus. Autant en tirer une partie déjà. Non, 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 pas ça, pas ça. C'est la pire chose qui peut arriver. Le racine formique fait tellement mal, c'est abusé. C'est vrai qu'elles peuvent charger. Retombe. Non, 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 non. Non. Non, 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 je veux pas mourir à cause des fourmis. Je l'avais pas vu l'autre. Non, non, c'est bon. La frayeur est passée. J'ai le temps de me tirer dessus. J'ai le temps de me cracher à la gueule. C'est dégueulasse. Je prends. Il devrait y avoir un site de runes pas très loin. Est-ce qu'elle garde un objet? Il sort du sol. Oh, j'ai eu de la chance. Leur objet à elle. Ouais. C'était juste pour deux pierres. Trois pierres. Et un tas de papillons. Un papillon. Ah bah voilà, bien ça, bien un site de grâce.
Et là, je crois qu'il doit y avoir un cercueil aussi pour descendre. Mais je sais plus où ça mène. Je crois que ça mène à l'Ainsel, mais on est déjà allé à l'Ainsel. On a fini l'Ainsel. Qu'est-ce que donc? Ah, oh, c'est un bout de ruine, d'accord. On est parti hein, faire fond de racine qui est pas très très long mais qui est potentiellement un lieu où je vais mourir beaucoup à cause des basilisques ou à cause des ennemis un peu énervés qui font de la foudre. Voilà. Rien que là il y en a un qui m'a vu déjà. Non, 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 je suis en train de prendre leur merde. J'ai plus d'endurance, c'est très mauvais. Et il y a une gargouille aussi dans un coin. Ils sont beaucoup! Ils sont trop. Je suis en plein dedans, je vais crever. Bien, j'ai réussi à diminuer la population. T'es sûr qu'il y en avait un derrière moi, je l'ai entendu. C'est bon. Ça c'est la gargouille, on s'en fiche. Je crois qu'il y en avait un autre qui est arrivé. Oh, pas grave. Ah oui, il se cache dans les bois, il y en a partout. Pas trop près du bord hein, parce que ça glisse, il y a un élite là-bas. Fond de racine, très bien. Là il y aura le boss. Un scarabée, mais j'entends aussi des basilisques. Où est le scarabée?
là au-dessus. Il est là! Je suis passé à côté et le seul côté où j'ai pas regardé, il y était. Passage secret derrière la cascade. Voilà, ici. Mais qui mène à un ours. J'ai pas dit que je voulais combattre l'ours par contre. Oh, il est pas con, il s'est monté. S'il pouvait se prendre un dégât de saignement qu'il one-shot, ce serait tellement bien. On peut se prendre ça. De lui en silence et juste observer s'il n'y avait pas quelque chose. Non, non, il fallait qu'il se réveille. Ouais. Ça faudra revenir d'au-dessus pour l'atteindre. Ah, j'avais oublié qu'il dropait un truc unique. Talisman. Pourquoi tu recharges? Pourquoi Twitch vient de se recharger tout seul sur le notebook? Je ne sais pas. On s'en fout. Augmente grandement la vitalité. Ok. Je me rappelais plus que c'était lui qui le dropait. Je croyais que c'était l'objet qui était justement au-dessus. Marché. Ça sent la viande. Quelqu'un qui fait une grillade dehors. Qui fait griller un barbecue. Enfin, plutôt qui fait griller avec un barbecue. Parce que faire griller un barbecue, je sais pas si c'est très recommandé. Ça me donne faim tout ça, ça sent très bon. Qu'est-ce que tu fiches là toi? Voilà. Reste de gargouille. Elle va se réveiller. Voilà, c'était évident. Il va passer derrière.
Malheureusement, vu comme elle a été démembrée, on peut pas se tourner. Donc c'est gagné. Il me dit qu'il y a quelque chose qui me voit alors qu'il n'y a rien qui me voit. Hormis s'il parle de la gargouille qui est quelque part là-haut dans l'arbre. Ah bon, on la voit, elle est là. Quelque part là-haut. Non, 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 non. Voilà. Profite du décor. À mon avantage. Où est-ce que tu es sorti? T'es même pas vu. Essaiement. Efficace. Ça va, pour l'instant je suis pas mort. Un mausolée ici aussi. Je dis bien pour l'instant. Je sais plus à quel craft ça sert, mais ça doit bien servir. Il y a un ellipse juste là. Pitié qu'il ne me voit pas. Il m'a pas vu. Ça va, je fais des dégâts. Mais c'est un putain de lancier. Donc, la prudence. Et en plus, il se téléporte. Ça s'est bien passé. Eh, j'ai eu ses jambières. Plus que tout le reste de l'armure. Et son arme, quoi que ce soit une arme différente, je sais plus. J'ai de la chance, il m'a rien fait. Ils m'ont juste regardé, tant mieux. Bordel. C'est ça, d'avoir beaucoup d'endurance. C'est très bien. Comment ça, tu veux? Non. Mais arrête avec ton arbalète. Il y a une gargouille juste au-dessus. C'est complètement un piège. Tu combats l'élite, en fait, t'as la gargouille qui te mitraille. Et tu fais avoir. Je crois qu'il y en a une autre là-haut. Donc je vais me charger tout de suite. Qu'elle ne m'embête. Eh, elle vise en diagonale celle-ci. Ou alors il y en a deux.
Il y a un site de grâce. C'est bien. Je vais aller le prendre. Tant qu'à faire, si je meurs, je recommence pas de l'autre bout. Lui, il est vivant. Du bruit. Le bruit que j'ai fait en chutant, en mettant un coup. Ah, il m'a vu. Par. Un autre. Oui, là-bas. Une gargouille encore. On dirait le bruit d'un ours. On dirait un ours ou une gargouille. J'hésite entre les deux. C'est la gargouille qui est là-haut qui fait sourire. Ça vient plus de là. Il y a un élite en haut. Bon, on l'entend plus. Il doit y avoir une gargouille qui m'a vu, qui est pas contente. Le site de grâce, donc. J'ai bien envie de looter peut-être une pièce de son armure. Ce serait pas quelque chose à refuser. Même le cheval, il a pas de tête. Ah oui, le sarfeuil pour tomber en bas, il est là. Je crois qu'en bas, c'est juste lane seul. Le problème, si je le fais maintenant, c'est que tous les ennemis vont respawn. Donc plus tard. Parce que si je veux faire le voyage retour, ça va faire respawn les ennemis. Disons que j'ai pas forcément envie. Les matériaux. Ah mais t'es pas mort toi. Je crois qu'il était mort, il a pas réagi. Pas du tout. Mais. Voilà.
C'est ça que je cherche. Hein, il y a du muguet. Je suis passé à côté. Voilà. Mais tu retombes au même endroit pour pas mourir. Quel intérêt elle est là? Ah si, peut-être un objet là-bas. Sûrement même un objet là-bas. Il y a vous là. Vous êtes partout, même dans les arbres. J'irai certainement pas en face. Ça c'est pour revenir de là, pour partir. Ouais, il y a bel et bien un objet. Ah, c'est pour les incantations, j'imagine, qui font de la malmort. Le saut passe pas. Le saut passe complètement pas. J'ai évité la mort. De peu. Cheval, ce serait passé, mais sans le cheval. On peut pas prendre le cheval ici, d'accord. Il y a un objet là-haut. Qui mène là-bas, d'ailleurs. Là, il y a la zone du boss. Il doit y avoir Fia au fond, j'imagine. On est trop loin pour la voir, je crois. Normalement, il y a Fia en face, si tout est bon pour sa quête.
passer, pas passer loin. Ah! Je t'avais oublié, toi. C'est bon, j'ai pu passer. La maniabilité du cheval, c'est pas ça. Normalement, je devrais être à l'endroit où on a vu un objet qui pendait là, au-dessus de l'ours. Faut juste trouver où faut descendre. Ouais, non, en face, tu peux pas y aller. Encore des fourmis, toujours des fourmis. Pas m'attaquer, toi. Voilà. Pas toi, pas toi. Déteste. Parfait. J'ai eu son cul. J'aurais dû la laisser tranquille, la fourmi. Ça serait mieux passé. Où est le passage déjà? Par là. Il semble qu'il y ait un passage à trouver. C'est au-dessus? Non, sinon ça servirait à quoi de venir là? Donc là, ça sert de venir là. Si le passage n'est pas là. Me dire que je peux gruger et monter là-dessus. Bah non, forcément que non. Si c'est pour eux, c'est pour repartir. Comment tu vas là au-dessus déjà? Je sais tellement plus. Ça m'étonnerait que ce soit un saut comme ça, mais ça pourrait. Ah! Alors. J'ai fait planter le jeu. Bon, ben. Bon, ben. On va voir, est-ce que je vais mourir tout seul ou est-ce que le jeu il a complètement crashé? Ah, j'ai toujours l'accès à ça, au HUD, avec triangle.
Je peux rien faire. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Bon, c'était un trou, mais je l'ai trouvé le trou, oui. Ben non, je crois pas que le jeu il va redémarrer. C'est-à-dire que je vais devoir couper le jeu, ce qui va couper le stream, et devoir relancer le stream, et j'ai quasiment. Enfin, j'ai pas envie. Pas à cette heure-ci. Comme mon avis, déjà je vais couper la VOD. Voilà, c'est la fin de la VOD YouTube. Magnifique bug.